Salut à tous et à toutes, c'est Max de 15. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va tout simplement parler de la chaîne de Monsieur Super HD. Alors, Monsieur Super HD est un vidéaste belge. Alors, il ne se considère pas comme un youtubeur, mais il partage sa passion. Mais voilà, ça reste quand même un vidéaste. Donc, n'hésitez pas déjà tout d'abord à liker cette vidéo si vous aimez, à la commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne de Monsieur Super HD. Vous avez juste à cliquer sur son nom qui est sur le titre, le pote, et c'est calé. Et puis, vous allez dans sa description et vous allez sur le lien. Et bon, bref, on va commencer déjà par parler de sa personnalité. On va d'abord, après on regardera ça, on regardera ça. Donc, on va d'abord parler de sa personnalité. Donc, ce qui veut dire qu'on va checker un petit morceau d'une vidéo et puis on va parler de comment il se comporte dans les vidéos. C'est je suis comportementaliste. Hein. Non, je rigole pas du tout. Pas du tout, on va regarder. Alors vous voyez que je suis souvent actif sur sa chaîne. Bon ben les anciennes vidéos je les ai pas vues forcément parce que je l'ai pas connu avant. Une chaîne Alexanga, le BG de la street. Bref, pam pam pam, on va regarder quelle vidéo. On va regarder une récente peut-être, non? Une récente, on va prendre tout simplement une qui, celle-là est de il y a 4 mois. Allez, c'est parti. Yo 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 les amis, c'est Monsieur Super HD. Bienvenue à tous dans une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, les amis, on se retrouve et va pour une série de vidéos que je ferai à chaque fois, en fait. C'est tout simplement, des jeux Roblox. Pas toujours. Bon, alors, déjà de une, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, comment ça se fait que t'as envie de faire du Roblox alors qu'il y a des jeux de merde, Brocaven, etc. Les amis, il n'y a pas que des jeux cringe sur Roblox, il y a aussi des jeux. Sur Roblox. Non, il a voulu dire Roblox, mais dans la vidéo, ça c'est Roblox. À mon avis, il l'a dit trop vite, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est un détail, c'est trop qui le tac en même temps, mais c'est pas grave. Non, je rigole, hein, je rigole. Sérieusement, dans la vidéo, ben, en fait, il paraît naturel, en fait. Hein, il est comme ça dans toutes. Dans une toute nouvelle vidéo. Tu vois, il est dans celle-là. Par exemple, dans celle-là, dans une que j'ai déjà vue, déjà, je vais regarder anecdote. Je vais regarder celle-là, par exemple. Il met plus d'intro. Avant, il mettait une intro, maintenant, il met plus d'intro. Les amis, écoutez, ça fait un mois que je vais sortir cette vidéo. Ça fait un mois que je vais sortir une vidéo anecdote que j'ai eue dans mon collège, mon école. Voilà, tu vois, il est toujours comme ça, donc il est naturel, il joue pas de personnage. Pour moi, il est pas du genre à, tu sais, à copier quelqu'un d'autre dans sa manière de faire, dans sa manière de parler, dans sa manière de faire les choses, hein. Il est totalement naturel, il est normal, j'ai envie de dire. C'est pas quelqu'un qui copie quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui copie quelqu'un, vas-y, bref, c'est pas grave. Mais voilà, il est tout à fait normal. Et c'est positif parce que dans YouTube, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube ou même sur TikTok, et il faut être naturel. Il y en a, ils surjouent des persos. Il y en a, ils copient. Il est normal et naturel. Et c'est important dans le monde de YouTube ou dans le monde du stream de d'être naturel en fait. Parce que si t'es pas naturel, ben les gens ils vont dire ouais non, quelqu'un, il n'est pas lui-même, donc ça sert à rien de le regarder. Tandis que si on est nous-mêmes et qu'on joue notre propre personnage, donc naturellement, je veux dire, ben les gens ils vont dire ah lui il est cool, il est naturel, ça va, vas-y, on prend, on chope. Et voilà, et c'est ça qu'il y a dans le monde de YouTube, c'est qu'il faut être naturel. Et ça, c'est super. Pour ça, c'est OK. Niveau montage. Ben forcément, je vais vous montrer peut-être la dernière vidéo qu'il a sortie par rapport au montage qu'il fait. Hein. Bien sûr, ben déjà, comme on peut le voir, il explique des choses et il montre en même temps avec des arrière-plans, avec des vidéos en arrière-plan et tout le bazar. Donc, je vais vous mettre la petite vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Bonjour à tous les... Ouais, déjà là, il fait un bon montage. Allez, la qualité, elle est bonne. Et en plus, je suis en 4K, donc c'est terrible. Amis, j'espère que vous allez tous super bien. Nouvelle. Ouais, il fait des coupures assez souvent. Et je veux juste vous montrer, c'est le moment où il parle. C'est où, poteau? Laissez-moi tout vous expliquer, les amis. Avant toute chose, n'oublie pas de lâcher ton petit like, n'oublie pas de t'abonner. Et on commence la vidéo. Alors, déjà, de une question. Tu vois, il fait du montage quali, bien, tu vois, il met des arrière-plans Ouais. super. Donc, moi, je... Regarde, tu Pour vois. ce qui est le...
Il met des trucs, il met des affiches, tu vois, il met des trucs, des photos en arrière-plan, des trucs sympatoches, tu vois. Et c'est vraiment cool. Et ça, c'est quelque chose que les gens aiment, tu vois, dans le montage. Même moi, j'essaye de travailler mon montage du mieux que je peux, parce qu'on est professionnel non plus. Mais on essaye de faire du mieux qu'on peut. Voilà, on n'est pas professionnel par rapport à ça. Bien sûr, il fait de tout. Hein, il fait pas que ça, il fait des anecdotes, il fait des réactions, voilà, par rapport à ses anciennes vidéos. Il fait du gaming horror, du Black Ops 3, du Fortnite. Il raconte des trucs, voilà, c'est cool parce que c'est varié et c'est vraiment cool. C'est ça qui est cool, c'est que tu varies ton contenu. Alors il y en a, ils se dirigent vers un seul contenu, donc soit des vidéos comme Alexanga ou comme Squeezie. Tu vois, mais t'en as qui font plusieurs trucs, quoi. Et c'est cool parce que chacun fait comme il veut, chacun fait comme il l'entend, et c'est cool, tu vois. Ça peut plaire du multigaming comme ben, Monsieur Super HD fait. Il y a du multigaming, il y a plusieurs vidéos variées et tout bazar, et ça, c'est cool. Moi aussi, je fais du multigaming à peu près tout le monde. C'est parce que c'est varié, c'est pas la même chose. Parce qu'il y en a, ils aiment pas trop avoir la même chose sur leur chaîne. Enfin, la communauté n'aime pas avoir plusieurs choses sur la chaîne et tout le bazar, etc. Et du coup, ben, c'est plus simple de faire du multigaming. En fait, plusieurs contenus, comme ça, c'est varié, c'est pas toujours la même chose, c'est pas répétitif. C'est ça le problème aussi d'avoir un seul contenu, c'est que c'est à force, c'est répétitif. Voilà. Et on va regarder ces premières miniatures. Ah voilà, ok. Donc ben, forcément tout le monde a eu ça. Forcément, voilà, ça c'est tout le monde a eu ça, il faut l'avouer. Alors ces premières miniatures, ben, c'était tout basique, tu vois. Tu poses en photo, tu mets, tu te casses pas le cul. Après, ça peut passer, forcément. Hein. Des fois, ça peut passer, des fois, ben, ça peut moins passer, ça dépend. Après, ben voilà, au fur et à mesure du temps, vous voyez qui c'est. Tout doucement amélioré, sauf pour ça. Bon, après, ça reste une miniature pour du setup. Il monte son setup, c'est parfait. C'est ce qu'il faut à peu près dans une vidéo. Hein. Là aussi, tu vois, il monte un peu son setup, etc. Pourquoi je me mets à dire etc. moi? Bref, c'est pas grave, c'est le soir, je suis crevé, j'ai la tête dans le fiac, c'est bon, ne pas commencer à me dire ouais. Non, vas-y, va te faire reculer, laisse-moi tranquille. Bref, hein, vous voyez que au fur et à mesure du temps, bah, il a amélioré ses vidéos. Il a ses vidéos, parce que je suppose qu'avant c'était pas. Attendez, je regardais une vidéo d'il y a 2 ans. La même musique que l'intro de TK avant. Salut à tous, c'est Monsieur Super HD, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler d'un des trucs les plus importants de ma chaîne, il s'agit du setup. Pour résumer l'histoire, je voulais. Alors il y a de la musique, mais j'ai pas vu de coupure pour Et l'instant. on a On va eu regarder. une petite. Est-ce qu'il fait des coupures ou pas? J'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression. Soir, au fil dans un salon, on a eu petit à petit tout ça, hein. Jeux vidéo, figurines, matchs. Après, s'il parle vite, c'est au calme, ça passe. Mais c'est vrai que par rapport à avant, il y a pas de coupure. Enfin, par rapport à maintenant, il n'y a pas de coupure de ces vidéos d'avant, tu vois. Et par rapport aux, justement, miniatures, ben, au fur et à mesure du temps, voilà, il s'est amélioré. Il a commencé à faire des petits trucs tranquillou. Puis là, ben, forcément, plus tu montes et plus ces miniatures sont quali. Il n'y a rien à dire, c'est attirant, ça donne envie de cliquer, ça donne envie de regarder, c'est parce que tu vois qu'il y a du travail, même si des fois, voilà, ça, je suppose que l'image qu'il y a là, l'image de derrière, ben, il l'a pris de Google à peu près comme tout le monde font, bien sûr, il faut l'avouer, tout le monde chope une photo de Google et la fait à sa sauce pour justement faire la miniature, tu vois, il faut pas mentir, les gars, tout le monde prend une vidéo de Google pour le fond de vos trucs, vous voyez, il n'y a pas de honte à ça, quoi, hein, ça, je suppose que ça aussi, ou alors c'est lui qui l'a peut-être fait avec un truc de collage. Mais vous voyez, c'est cool parce qu'il fait des belles miniatures, même celle-là. Cali, c'est cool, c'est génial. Et puis voilà, c'est tout. Point barre. C'est calé, ça donne envie de regarder. Le nombre de ses vues, ils sont parfaits. Hein, du 184 vues en 2 jours, du 255, du 308, du 180, du 255. Vous voyez, c'est des vidéos qui marchent bien. Du 317, c'est des vidéos qui marchent bien parce que ben, la miniature est attirante. Le titre est bon, forcément. Et ben, le travail qu'il fait derrière avec le montage, ça donne envie de regarder, tu vois? Ça donne envie.
Après, t'en as qui font moins de montage, t'en as, ils sont pas trop, ils débutent et tu vois qu'ils ils ont envie de faire quelque chose de bien, mais que voilà, ils endurent. C'est pas forcément toujours quelque chose de facile. Après, chacun son truc. Alors, on va partir maintenant à l'essentiel. On va déjà aller sur la chaîne. Ah non, ça c'est les chaînes visibles. Merde, c'était pas à propos que je voulais. Après, les chaînes visibles, c'est cool en soi. En soi, d'avoir les chaînes visibles, c'est cool. Mais voilà, personnellement, moi je préfère les mettre en privé. Comme ça, il n'y a personne qui voit qui je regarde en fait. Parce que j'ai pas trop envie de montrer ce que moi je regarde. Parce que j'ai pas envie de montrer aux gens les trucs que je regarde par rapport à ce qu'ils regardent. Tu vois, de toute façon, je sais très bien que les trucs que je suis abonné, regardez, vous voyez tous mes abonnements là à côté, vous voyez, j'en ai beaucoup. Après, il y en a, ils sont plus actifs, je dois faire le tri, mais j'ai la flemme parce que j'en ai tellement que c'est dingue. C'est dingue. Donc, on va partir à l'essentiel, on va partir sur la photo de profil. De sa page YouTube. Déjà, Monsieur Super HD, ben voilà, c'est son pseudo, forcément. Il a 663 abonnés. Je lui souhaite d'en avoir plus parce que le travail qu'il a, c'est énorme. Il mérite plus. Il mérite même un cas facile. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur son nom pour lui donner de la force. C'est un bon. En plus, c'est un Belge. Donc, comme moi. Donc, voilà. N'hésitez pas à le soutenir. Ça lui fera plaisir. Donc, déjà, ben, sa photo, voilà, elle est sympa. Parce que ben, forcément, les photos de profil sur YouTube, ça doit vous représenter. Tu vois, par exemple, moi, regarde, attends, par exemple, moi, tu vois, hop, passe là, je fais ça, tu vas sur ma chaîne, frérot, hop là, pouf, ben voilà, ça me représente, par exemple. Il y a juste ça où je dois la retravailler parce que ben, il y a le multigaming qui est coupé en deux et c'est pas ouf, ouf, tu vois, mais il y a quelque chose, tu vois. Après, voilà, ma couverture, c'est une couverture que j'ai mis comme ça, pas vraiment, mais la photo de profil, ça me représente moi. Avant, ça me représentait, mais c'était pas, je trouvais pas ça ouf, ouf. Du coup, j'ai voulu quelque chose de mieux, de quali, et là, je trouve que c'est énormément bien calé. Forcément, j'ai mis une vidéo d'annonce, mon ancien vlog qui date de 1 an, forcément. Un vlog pas prévu. Et bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais donc, ça lui représente. Ça le représente lui. Il l'a fait lui-même, hein, forcément. Ça a été fait, à mon avis, avec son truc, certainement, comment je vais dire, certainement l'overlay qu'il utilise pour ce stem. Parce que j'ai vu qu'il a les mêmes trucs de ses overlays. Donc, à mon avis, il a dû screen le truc, ou alors il l'a fait lui-même et il l'a screen. Enfin, bref, je sais pas comment il a fait, mais chapeau à lui. Voilà, ça le représente, c'est sympa. HD, entouré, c'est super, c'est beau, c'est. Là, c'est. Je vais pas dire que c'est. Après, non, en vrai, c'est vrai. En vrai, c'est beau. En vrai, c'est bon. C'est bon. Y a rien à dire par rapport à la photo de profil de sa chaîne. Parce que si lui, ça lui plaît, bah tant mieux. Parce que y a ça aussi, les gars. C'est que nous, petits youtubeurs ou gros youtubeurs, les photos de profil qu'ils ont envie de mettre, ils mettent ce qu'ils veulent. Par exemple, je sais que lui, c'est une photo comme ça qu'il a mis, il s'en bat les couilles. Ouais, il y en a, ils s'en battent les couilles. C'est une photo de profil, on s'en fout. Voilà, il y en a, ça représente, ça le représente. Et Monsieur Super HD, ça doit lui représenter, parce que ben, Monsieur Super HD, voilà, HD, ben voilà, HD, c'est quali, c'est parfait. Pour sa photo de couverture, bah déjà, elle est déjà plus quali que la mienne. Il a mis une petite manette parce qu'il joue manette, il joue console, il joue PS4, il joue PC, mais PC, il joue manette. Là, c'est quali. Donc, allez, petite manette des familles, ça passe. Derrière, un fond en forme de mur, c'est parfait. Le HD au milieu, le réseau social, l'Instagram, Monsieur Super HD TV1, le Twitter. Bon, maintenant c'est plus Twitter, c'est X, donc voilà, le petit X. Non, je rigole, je sais même pas s'il y a le logo X sur un truc pour le faire comme ça. Après, tu peux laisser le logo Twitter, on s'en fout. Monsieur Super HD, le vrai. Et son Twitch, Astral Super HD. Voilà, c'est magnifique aussi, c'est bien représenté. La petite couverture des familles avec le HD au milieu, voilà, c'est exactement le même, hein, c'est la même chose, à part que il y a juste le HD. Donc on va passer maintenant à la description de sa chaîne. Ah ben voilà, à propos, oui, YouTube a changé, donc forcément. Alors, à propos, je me vois pas comme un YouTuber, mais je me vois comme un mec qui partage sa passion sur Internet. Ça, c'est la meilleure description pour moi qui existe. C'est la meilleure description pour moi qui existe. Moi, sur ma chaîne, par exemple, j'avais mis une grosse description, une énorme description de malade. Mais comme vous allez le voir,
Alors, toi, ta gueule. Merci. Comme vous allez voir, avant, j'avais une longue description avec tous les liens et tout le bazar. Et ici, récemment, je l'ai changé. Parce que je me suis dit, c'est trop long et en plus, c'est moche. C'était fait il y a plus de... Cette description-là, elle a été faite il y a longtemps. Donc, c'était toujours la même. C'était pas... Je ne l'ai pas changé depuis, moi. Donc là, je l'ai changé et j'ai fait quelque chose de plutôt sympa. Voilà, moi j'ai mis personnellement, découvrez mes vidéos chaque semaine avec 2 lives sur la semaine. Il se peut qu'il y en ait plus de streams qu'à la normale. N'hésitez pas à me soutenir. Voilà, ça c'est ma description. Vous avez ma page Facebook, vous avez mon Twitter et vous avez mon Instagram. Voilà, ça c'est mon lien de YouTube avec le nombre d'abonnés, le nombre de vidéos, avec le nombre de vues au total depuis 2016. Et voilà, Belgique. Voilà, c'est tout. Donc, chacun a sa petite description des familles. Ça, ça lui représente. Moi, ça me représente. C'est le top du top. Il faut rien demander de plus. C'est tout. Point barre. Après, dans sa communauté, ben voilà, il fait comme tout le monde. Il met, une fois que sa vidéo sort, paf, il met, pas de problème. C'est cool, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Est-ce qu'il a des playlists, les cassos du net, musique de fond, LOL, setup évolution. Voilà, il fait des petites playlists tranquilles. Maintenant, il va pas en faire non plus tout le temps parce qu'il fait pas toujours les mêmes trucs. Donc forcément, il va pas s'amuser à faire chaque playlist pour chaque truc. Alors, il faisait des directs avant sur YouTube avec sa Play, je suppose, ou son PC. C'était sa Play ou son PC. J'arrive pas à savoir. C'est enfin bref, il a fait des streams. Et ben voilà, pour les streams, ah voilà, c'était avec sa Play. Donc, il faisait des streams. Tranquillou, pépérose, hein, il faut pas forcément de miniatures. Moi, je préfère mettre des miniatures au stream que pas du tout. Tu vois, par exemple, là, diffusé il y a 2 ans, 5 minutes, tu vois, ça, perso, j'aime pas, ça traîne là, j'aime pas. Parce qu'en fait, c'est que 5 minutes où, voilà, c'est peut-être 5 minutes où tu fais un truc, mais c'est diffusé. Et pour moi, tu fais pas une diffusion de 5 minutes pour l'arrêter après, tu vois. Par exemple, les lives de 4 heures, de 45 minutes, 2 heures, 50, 27... Encore aller, mais 5 minutes, non, pour ça t'enlèves, tu vois, 3 minutes par exemple, t'enlèves, tu gardes pas, tu vois, ça prend de la place inutilement. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je dis ça parce que moi, perso, je sais que j'avais fait des directs de 5 minutes, ou que j'avais lancé un stream et que ça avait bugué dans le temps que j'avais la PS4, ça avait bugué, ça faisait que 10 minutes de stream, je laissais pas, parce que il y avait rien qui se passait, quoi. Donc voilà, après, chacun fait comme il veut, c'est juste mon avis à moi, personnel, c'est mon avis personnel que les trucs de 5 minutes, non, c'est pas possible. Alors, les shorts, mais il en a pas fait beaucoup, en fait, hein. Il en a pas fait beaucoup, et c'est bien dommage, à part celle-là. Je suis parti à un stage où une grand-mère a voulu me draguer. C'est pas des blagues. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, tout d'abord, j'arrive en avance. Hein. C'est la première chose. C'est mon premier stage, hein, je tiens à vous préciser. Et je suis dans la restauration, je suis serveur. On me dit directement, tu aurais pu quand même gratter une grasse mat. Hein, parce que bon, t'étais pas obligé de te réveiller à 6h du matin. Ah, c'est bien. Après, il faudra en faire plus, hein, des shorts de temps en temps. Ça varie, ça fait plus de visibilité et ça peut te faire gagner en abonnés aussi, tu vois. Après, ça demande du travail, ça demande du temps et tout ça. Donc, c'est varié, c'est cool, ça lui représente bien. Moi, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben, rien du tout, parce que franchement, il est calé. Il fait... ben, en fait, il évolue. Il évolue, il fait du taf... extraordinaire, et moi j'ai juste ça à dire, voilà, c'est tout. Ben voilà, tout simplement, c'est ce que je devais vous dire par rapport à Monsieur Super HD. Donc n'hésitez pas, les petits potes, à aller vous abonner à sa chaîne, ça vous fera extrêmement plaisir. C'est pour un de ses projets que je tourne cette vidéo, c'est pour ça que je la tourne ce vendredi. On est le 10, vous le verrez le samedi, ben le 11, là, le 11 novembre, vous allez voir cette vidéo, et voilà, au matin. Voilà, c'était pas prévu, mais pour lui, pour son projet de vidéo, mais j'ai accepté de faire, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est quali, c'est bien. J'espère que j'ai tout dit, j'ai été sincère dans ce que j'ai dit, et puis c'est tout, voilà. Donc, Monsieur Super HD, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu auras kiffé ça. Alors, pour les conseils, bien évidemment, ben... En termes de conseils que je peux te donner, c'est déjà de continuer ce que tu fais, de ce que tu aimes faire, de ce que tu aimes partager tes vidéos. Bien sûr, tes miniatures, franchement, tu t'améliores. Donc, niveau miniature par rapport à avant, je peux rien dire parce que elles sont déjà plus travaillées que les miennes. Parce que les miennes, voilà. Maintenant, j'essaie de mieux faire quelque chose. Mais regardez, par exemple, j'essaie de faire un truc.
Voilà, j'essaye de faire des petits trucs bien sympas, tranquillou, bien travaillé, vous voyez. Ça, par exemple, ben voilà, ça, c'est une photo que j'ai fait. Ça, c'est avec Canva, mais voilà, c'est... Sinon, j'essaie de faire des trucs bien sympatoches. Mieux que... Enfin, ça, c'est, ça passe, tu vois, ça passe. Après, il y a des trucs qui passent moins, tu vois, ça passe, ça passe, ça, c'est, ça passe. Enfin, j'essaie de faire des trucs bien, ça passe pas, tu vois, ça, c'est vraiment la miniature fait à la voile Game Beast to Fly, tu vois, ça passe, ça, il y a des trucs qui passent. Mais voilà, donc pour tes miniatures, j'ai rien à dire, franchement, j'ai strictement rien à dire par rapport à ça. Par rapport à la qualité de tes vidéos, ben c'est parfait, parce que des fois, tu changes d'angle de caméra, et c'est toujours sympa de changer d'angle de temps en temps, c'est cool. Et voilà, niveau son, ton micro, il a un super son, voilà, c'est parfait, c'est nickel, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis c'est tout. Donc j'espère que tu auras kiffé regarder ma vidéo. Et puis ben voilà. Hein, à la prochaine les petits potes, c'était Max du 15. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Et moi je vous donne rendez-vous mardi pour un stream et lundi pour une vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Allez, ciao les potes, je vous laisse là. Ciao ciao. N'hésitez pas à aller soutenir le frérot, Monsieur Super HD. Ciao à tous.